Bonjour à tous, les papas, les mamans et les enfants. Aujourd'hui, me voilà de retour à la halte-garderie. Et c'est avec un grand plaisir que nous allons continuer les histoires. D'ailleurs, aujourd'hui, les petits poissons sont de retour. Eh oui, voilà les deux petits poissons rouges qui sont de retour. D'ailleurs, nous allons en profiter pour offrir le livre que les enfants ici adorent. Poisson, poisson, nage, 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 nage. Les petits poissons, dans l'eau, nagent aussi bien que les gros. Poisson, poisson, de Claudia Bielinski. Dans la mer, il y a des très grands poissons et des tout petits, 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 petits. Il y a des poissons tout ronds et d'autres qui sont fins. Ils l'ont très long ou très court. Il y a des poissons filles et des poissons garçons. Il y a des poissons blancs. Il y a des poissons noirs et des tout bariolés. Il y a des poissons qui adorent les câlins et d'autres la magarre. Il y a des poissons vraiment élégants et des tout ébouriffés. Eh oui, les poissons sont tous différents et heureux d'être ensemble. Ils font la fête dans l'océan. Et comme le dit si bien Christelle, Hopi, Hopa, mon histoire se termine là. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros.